j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog en Australie. Je vous emmène avec moi pour ma deuxième semaine dans ce voyage. Alors non, je ne vais pas vlogger toutes les semaines et faire un vlog par semaine pendant tout le temps où je serai là, parce que ça fait beaucoup et que surtout je pense que bientôt ce sera peut-être un peu moins intéressant. Mais c'est vrai que les premiers jours, il se passe beaucoup de choses, c'est beaucoup de découvertes, beaucoup de nouveautés, donc j'ai envie de partager tout ça avec vous. Donc, jeudi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Jeudi, il a plu par intermittence toute la journée, donc c'est vrai que j'étais pas trop motivée pour sortir et j'avais pas mal de petites bricoles à faire. Donc, j'ai fait du montage vidéo, envoyé des mails, travaillé un petit peu sur mon administratif, commencé à bosser sur mon CV, parce que j'avais toujours pas fait. Et j'ai reçu mon TFN, donc j'ai commencé à programmer la suite du voyage. Puisque si j'ai mon TFN, ça veut dire que je peux commencer à travailler. Et le soir, avec notre host, on est parti, donc avec aussi Jasmine et Sarah. Ils nous ont emmenés dans une salle d'arcade. Donc on a passé la soirée à jouer à des jeux d'arcade, genre Pac-Man, Space Invaders, et j'en passe, ils étaient trop bien. Et après, on est allé au Western Australia Museum. Alors il était fermé parce qu'il était tard, mais il y avait une projection sur les murs de l'ancienne prison et du musée. D'une fresque qui était super belle et super intéressante, donc on est resté pour regarder la fresque et je vous laisse avec ces images. Quasiment toute la journée. J'avais mon CV à faire, j'avais mon sac à commencer à préparer. J'ai fait de la peinture pour le host et d'autres bricoles comme ça, donc rien de bien intéressant, j'ai pas filmé. Samedi, il faisait un peu plus beau, donc la motivation est revenue. J'ai quand même commencé la journée en finissant la peinture. Ensuite, je suis allée faire des courses parce que dans le nouvel endroit où je vais aller, il n'y a qu'un seul supermarché et les prix sont pas les mêmes qu'ici, donc du coup j'ai fait quelques courses. Et après ça, notre coach nous a emmené en voiture faire un tour. Donc on a visité l'université de Perth, qui est absolument magnifique, j'ai vraiment adoré. Il y avait même un mariage qui se passait là-bas. Voilà, on a visité l'université et ensuite on est reparti en voiture. Et en fait on a suivi tout le long de la rivière des deux côtés pour visiter, mais voilà, on a fait cette visite en voiture. Et le soir, on est allé manger dehors avec Sarah et Jasmine parce que c'était notre dernier soir ensemble, donc on avait un petit peu envie de marquer le coup, mais en même temps on était un peu fatiguées, surtout qu'elles étaient sorties la veille, donc elles étaient plus fatiguées encore. Donc on allait manger dehors et après, alors on avait prévu d'aller boire un verre, mais on avait tellement froid qu'au final on s'est retrouvé à boire un chocolat chaud. Voilà. Et c'était une super bonne soirée, on a passé un bon moment toutes les trois ensemble, bien papoté, c'était super intéressant et ça comptait notre samedi qui était aussi notre dernière journée ensemble. Thank you.
aujourd'hui, on est dimanche, dimanche matin, il est 8h30, un truc comme ça. Et je commence à préparer mon départ parce que ça y est, maintenant que j'ai mon TFN, ça veut dire que je peux commencer à travailler. Et donc je vais rejoindre Virginie et Basile qui sont à Jervin Bay, donc c'est à 2h15 de Perth à peu près. Et ils ont tous les deux trouvé du travail là-bas, ils ont trouvé un logement vraiment pas cher. En fait, ils restent dans leur workaway qui leur a proposé de les loger en échange d'un loyer assez bas. Et en fait, leur host a proposé que je les rejoigne aussi. Donc, c'est ce que je vais faire. Ils viennent me chercher aujourd'hui parce qu'ils avaient des choses à faire à Perth. Donc, ils viennent me chercher ce matin vers 10-11h. Ils viennent me chercher ici. Donc là, il faut que je finisse de boucler mes affaires. Et ensuite, bah, ils viennent me chercher et on commence une nouvelle aventure puisque bah, je vais quitter la ville de Perth et commencer à monter vers le nord. Et j'ai hâte de cette nouvelle étape. On est lundi, donc hier j'ai rejoint Virginie et Basile à Perth, enfin ils sont venus me chercher à Perth et on a fait la route jusqu'à Jervin Bay où bah, du coup on s'est installé, enfin je me suis installée puisque eux étaient déjà installés dans le logement où on va rester pendant quelques semaines. On est en fait en location, on loue des chambres, donc moi je loue 7 chambres là. On est au total 5 dans la maison, la propriétaire, Basile, Virginie, moi et une autre personne. Et ils m'ont super bien accueilli hier, ça s'est super bien passé. La maison est super grande, super propre, super agréable. Ils ont un chien qui s'appelle Jess et qui est trop adorable. Là on est lundi, il est 8h35, je viens de finir de me préparer et je vais aller faire un tour dans le village parce que Jervin Bay c'est vraiment tout petit, c'est vraiment un côté village. Donc je vais aller faire un tour et bon, pour visiter déjà, pour me faire une idée du coin, mais aussi pour me présenter dans les différents endroits où je vois qu'ils recrutent. Donc voilà, aujourd'hui je cherche du boulot et je visite. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas repris. Je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, c'était lundi. Je venais d'arriver à Jervin Bay et je cherchais du boulot. Et en fait, j'ai trouvé. On m'a dit oui pour un boulot dans un café au bord de l'océan lundi après-midi. Et donc, j'ai commencé mardi.
Donc là, on est jeudi, c'est mon troisième jour de boulot. En deux jours, j'ai fait 16 heures de boulot. Aujourd'hui, un peu moins. Je crois que j'ai fait que 3 heures et demie, je crois. Donc, c'est un boulot qui prend du temps, qui prend pas mal d'heures, qui est assez fatigant physiquement, on va dire, vu que je passe la journée debout. Mais en soi, voilà, c'est travailler dans un café, quoi. Donc, c'est pas très compliqué. J'ai déjà bossé dans un McDo, donc ça revient plutôt vite. Et ici, les normes ne sont pas les mêmes qu'en France, notamment genre les règles d'hygiène, les procédures, etc. C'est beaucoup moins strict, donc il n'y a pas grand-chose à apprendre et auquel faire attention. Donc ça va plutôt vite. Donc pour le moment, ça se passe bien. Je m'habitue petit à petit au rythme du boulot. Et là, bah, du coup, je suis en train de rentrer et la vue est vraiment magnifique. Je suis en fait une piste cyclable qui est le long de l'océan. Et je ne sais pas si vous pourrez voir. Bon. Qui est le long de l'océan et c'est juste absolument sublime. Et je fais ça matin et soir et c'est trop bien. Donc voilà, ce ne sera pas un vlog sur une semaine cette fois parce que bah, du coup, le rythme change un petit peu. Là, je vais m'installer un petit peu dans une petite routine puisque je compte rester ici à Jurien Bay pendant peut-être un mois et demi. Donc voilà, ça va être routine, boulot et petite visite autour. Donc la partie boulot, je pense que ça ne vous intéressera pas beaucoup, donc je vous tiendrai vite fait au courant. Mais ça s'arrête là et bah, je vous emmènerai dans les visites quand j'en ferai. Ça dépendra de mes jours de repos. Hello, on est lundi 28 novembre et aujourd'hui c'était mon premier jour off, donc premier jour de repos. Donc j'ai travaillé de mardi à dimanche, j'ai fait pas mal d'heures. Et donc aujourd'hui j'avais eu mon premier jour off et de base j'avais pas grand chose de prévu à part aller faire des courses, payer mon loyer, bref des petites bricoles. Et en fait, je suis passée voir une collègue, donc une fille avec qui je bosse au café, donc Sarah, mais qui bosse en plus au skydive, donc c'est au club de saut en parachute. Et en fait, le dimanche soir, comme on bossait ensemble, elle m'a dit bah, « si tu veux passer me voir demain, passe, je bosse le matin ». Donc je suis passée la voir, et alors à la base, elle voulait que je l'accompagne pour assister en fait à un atterrissage de saut en parachute. Mais il y a eu trop de vent, donc elle n'a pas pu sauter. Donc à la place, un de ses collègues nous a proposé qu'on parte en bateau. Donc on a fait un petit tour en bateau et on allait se poser sur une petite plage complètement isolée où on était que nous trois, on avait l'impression d'être sur une île déserte et c'était trop trop bien. Donc plan improvisé complètement, mais on a vraiment passé un super bon moment. C'était ma première baignade en Australie, donc voilà, j'ai profité enfin de l'océan et l'eau était un petit peu froide, mais une fois qu'on est dedans, c'est bon. Et c'était vraiment top, quoi. Les plages ici sont vraiment trop trop belles. Et ensuite je suis rentrée chez moi, faire 2-3 bricoles, me doucher surtout, parce que j'avais du sable plein partout, parce qu'il y avait du vent. Et à 18h, j'ai à nouveau rejoint Sarah et Nick, donc celui avec le bateau, pour un cours de yoga. Voilà, donc j'ai fait un cours de Yin Yoga et c'était super bien, super apaisant, super relaxant. Et donc là, bah, je suis rentrée, on a fait un repas tous ensemble. Donc on est 5 à vivre dans cette maison, donc ce soir on a mangé tous ensemble. Ce qui n'est pas le cas d'habitude, on mange en deux groupes, mais là on a mangé tous ensemble, donc c'était chouette. Et Virginie avait
préparer des gâteaux vegan, donc c'était trop bien. Et voilà, donc premier jour off et première journée où j'avais aucun plan et au final il s'est passé plein de choses trop bien. Donc voilà, j'aime ce côté improvisé et j'aime le fait que ce soit tellement facile et possible ici que ça devient hyper relaxant. Et alors que d'habitude c'est le genre de choses qui aurait tendance à me stresser un petit peu, j'aurais eu besoin d'organisation, alors que là bah, j'ai pu improviser complètement et c'était top. Et bah, du coup j'ai hâte d'être à mon prochain jour de repos pour voir quelles aventures m'attendent, sachant que c'est samedi. Donc voilà, je vous retrouve sûrement à ce moment-là. On est samedi, on est le 3 décembre il me semble, donc jour de repos pour moi. Et il est 8h40, je viens d'aller courir. Comme j'ai pas couru depuis super longtemps, j'ai pas couru très longtemps, c'était vraiment juste histoire de me remettre en jambes et je vais essayer de courir régulièrement. Par contre, il va falloir que j'y aille plus tôt parce que 8h30 il fait déjà chaud, donc je pense que quand j'y retourne, j'irai plutôt vers 6-7h. Parce que la température augmente rapidement ici. Donc cette semaine est passée à la fois très lentement et très rapidement, parce que j'ai travaillé tous les jours, que le boulot se passe bien, mais voilà, il n'y avait rien de spécial. Donc je me suis dit que j'allais clôturer le vlog ici. Je pense qu'il sera déjà peut-être assez long comme ça. Puis comme ça, vous avez suivi mes premières semaines à Jurin Bay et avec le nouveau boulot, etc. Et donc voilà, je vais m'arrêter là. Pour le moment, j'aime l'Australie. Je suis amoureuse de l'océan, je veux vraiment rester vivre au bord de l'océan. Je pense que c'est un nouveau but dans ma vie parce que ça a un côté très apaisant à tout moment. Donc voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir. Dites-moi tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très belles aventures et je vous dis à très bientôt.